chers amis, bonsoir. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que le spectacle est une grande famille. Et comme toute grande famille qui se respecte, cette famille a son album de famille. Je ne voudrais pas vous présenter ce soir les aînés de cette famille, mais les jeunes. Les aînés, évidemment, vous les connaissez beaucoup. Les jeunes, vous les connaissez moins. Eh bien, ils sont dans cet album, je ne vous ai pas menti. Et je vais vous présenter immédiatement leurs photos. Voici tout d'abord Micheline Ramette. Micheline Ramette a 3 ans. Depuis, elle a grandi, elle a bien fait les choses. Vous verrez, c'est une ravissante jeune femme qui a eu l'heureuse idée de venir autour de champ. Nous la verrons tout à l'heure, mais je vous le signale, pas dans son costume de page. Alors, en attendant, tournons la page. C'est ce que nous faisons. Voici Christian Sarel. Il a toujours eu horreur de la marche à pied. À 2 ans, il avait déjà sa voiture. Depuis, il a fait du chemin avec sa guitare et ses chansons. Je dois vous signaler aussi qu'il a changé de voiture. Et maintenant, voici André Naudin. André Naudin, lequel est-ce? Eh bien, c'est son frère. Son frère, c'est lequel? Eh bien, c'est l'autre. Et celui qui est debout, ben, c'est pas lui. Non, André Naudin, c'est celui qui est assis. Voyez-vous, un petit détail, il n'est pas très gracieux parce que sa maman n'a pas voulu lui mettre de chaussures neuves pour la photo. Depuis, il est devenu comédien, ça marche très bien, avec des chaussures neuves et surtout avec du talent. Nous tournons encore la page et je vous présente maintenant Colette Chevreau. À l'époque, Colette Chevreau avait un curieux répertoire, elle chantait une chanson qui faisait... Et depuis, elle a changé de répertoire. Je vous présente maintenant Pierre Chemla. Voyez-vous, à l'époque où a été prise cette photo, eh bien, le petit Chemla ne parlait pas. Maintenant, il fait du théâtre, il ne parle toujours pas. Pierre Chemla est mime. Et enfin, voici Richard Bennett. Alors Richard Bennett, ouais, il a toujours été le premier partout. Il a été le premier de sa famille, le premier en classe, le premier communiant. Déjà tout petit, on l'appelait le caïd. On disait c'est un chef. Eh bien, il n'a pas changé. Il est toujours chef. Il est chef d'orchestre. Jugez plutôt, vous allez voir.